Je lui ai fixé rendez-vous ce soir, place de la Bastille, et elle n'arrive pas. Alors bien sûr, elle a peut-être du retard. Je l'appelle et elle me dit « Quoi, tu es là au rendez-vous ?» Je lui dis « Mais bien sûr, je t'ai fixé rendez-vous, je suis là. » Elle arrive et m'explique « Tu sais, parfois, bon nombre de personnes nous fixent des rendez-vous et malheureusement ne viennent pas. » Alors je me suis dit « Toi aussi, tu es peut-être la même personne. » Grâce à Dieu, cette histoire finit bien et qui sait, elle amène un beau mariage. Mais réfléchissons un petit peu. Toutes ces autres personnes qui n'ont pas fonctionné comme il se doit auparavant sont sans doute responsables de ce qui se passera par la suite en cas d'échec. Parce que tout simplement, ce qu'elles ont construit au niveau de nos peurs, eh bien, reste et nous habite. Rappelons-nous que nos démarches, nos actions ont un impact, pas juste à l'instant présent, mais dans la manière dont l'autre appréhendra la vie de manière beaucoup plus générale. Soyons responsables, rappelons-nous qu'une parole, c'est une parole, qu'un engagement, c'est un engagement. Et à partir de cela, construisons pour nous ou permettons à l'autre de construire quelque chose qui sera du domaine du merveilleux. Je nous le souhaite, je vous le souhaite.